Thank <music> you. Rebonjour. Euh, J'espère que vous passez une bonne journée. Je tenais aussi à remercier l'organisation pour euh, l'organisation du planning. Le fait que je passe juste après Pauline, je trouve ça vraiment top, parce que du coup, je vais pouvoir rebondir là-dessus. Euh, Aujourd'hui, on va parler de burn-out, mais surtout de burn-out étudiant. Mais d'abord, on va faire un petit, euh, petit brief sur ce qu'est le burn-out de manière professionnelle. Et on va commencer déjà par une définition. Et déjà, on va comprendre que, euh, il n'existe pas de définition où tout le monde s'arrête pour dire ⁇ Ok, c'est celle-ci ⁇ Il existe plein de définitions différentes et on va en lire deux aujourd'hui. La première, c'est celle de deux chercheurs et chercheuses, Christina Maslach et Michael Leiter, qui nous dit ⁇ Le burn-out est décrit comme l'écartèlement entre ce que les gens sont et ce qu'ils doivent faire. Il représente une érosion des valeurs de la dignité, de l'esprit et de la volonté. ⁇ une érosion de l'âme humaine, c'est une souffrance qui se renforce progressivement et continuellement, aspirant le sujet dans une spirale descendante dont il est difficile de s'extraire. Alors, autant vous dire que celle-là, j'ai du mal à la comprendre. Il faut la travailler un tout petit peu pour réussir à dégager des choses très intéressantes. Maintenant, je vais vous en dire une deuxième, que je trouve qui se rapproche un peu plus de ce que je vais parler aujourd'hui. C'est celle de Elliot Aronson et de Ayala Pines, qui nous dit que le burn-out est décrit comme un état d'épuisement physique, émotionnelle et mentale, liée à une longue exposition à des situations exigeantes, une implication émotionnelle forte. Ok, on va parler un tout petit peu, essayer de donner quelques petites infos sur le burn-out. Déjà, il faut savoir que le burn-out n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle ou psychiatrique, mais c'est reconnu comme une maladie, enfin pas, pardon, comme un trouble, excusez-moi. Justement, le burn-out peut conduire vers la dépression ou une maladie somatique. Alors pour ceux qui savent pas ce celles et ceux qui savent pas ce qu'est une maladie somatique, c'est le fait que, disons, on va essayer de grossir les traits. Si je vais pas bien dans ma tête, mon corps va nous le faire ressentir et en peut-être peut avoir des problèmes physiques. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Déjà que le burn-out, ce n'est pas une dépression. En tout cas, on verra en quoi c'est différent. La différence, c'est qu'évidemment le burn-out déjà, généralement, il apparaît dans la sphère professionnelle. C'est comme ça qu'on l'entend aujourd'hui. Mais il existe aussi d'autres burn-out, le burn-out militant ou le burn-out étudiant, et c'est celui dont on va parler aujourd'hui. La différence qu'il y a avec la dépression, le burn-out est en fait un processus de dégradation qui est donc lié au travail, tandis que la dépression, c'est un état. Et pour finir, cela me semble aussi très important, le burn-out ne doit surtout pas être confondu avec le workaholisme. C'est le workaholisme qui est un comportement compulsif vis-à-vis -vis du travail. Il y a des gens, leur travail, c'est toute leur vie, tous les aspects de leur vie, et c'est OK. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire un burn-out. Ça, on n'en sait rien. Il n'y a pas de loi là-dessus. OK. Maintenant, on va quand même essayer de définir un tout petit peu plus ce que peut être le burn-out. On va le faire en trois dimensions, et chacune de ces dimensions vont se répondre l'une à l'autre. La première dimension, c'est l'épuisement émotionnel, c'est le fait de se sentir vidé de toutes ses ressources, de ressentir une fatigue extrême. Et en fait, il n'y a pas grand-chose qui change. Le repos, on a beau se reposer, ça ne change rien. On se sentira toujours aussi fatigué, aussi vidé émotionnellement. La deuxième chose, c'est le cynisme. C'est le fait, justement, en réponse à cette difficulté, à cette surcharge émotionnelle, c'est qu'on va se détacher de son travail, de ses collègues et de son entreprise. Et, en fait, ce qu'on va mettre en place, c'est justement une défense pour contrecarrer justement l'épuisement émotionnel dont on a parlé juste avant. Et la dernière dimension, c'est justement la diminution du sentiment d'accomplissement personnel. Le fait de se dévaloriser, de se sentir inefficace et pas à la hauteur. Donc, ça, forcément, si on est cynique, qu'on se qu'on a tendance à se détacher de son travail, on va culpabiliser du fait de ne pas faire bien son travail, par conséquent, on va se dévaloriser, du coup, on va augmenter notre épuisement émotionnel, donc on va encore plus se détacher, etc. etc., etc. On va parler maintenant des symptômes. Il y en a beaucoup, et ils sont, on va dire, divisés en plusieurs catégories. La première, c'est les symptômes émotionnels. Perte de contrôle, stress. Tension nerveuse, tristesse, irritabilité, hypersensibilité ou à l'inverse, détachement émotionnel. On va avoir les symptômes physiques. Troubles du sommeil, fatigue chronique, tension musculaire, prise ou perte de poids, maux de tête, nausées et certainement plein d'autres. Maintenant, on va parler des symptômes cognitifs. Quand on est en surcharge, forcément, on va être moins concentré on va avoir des difficultés à effectuer plusieurs tâches en même temps on va être indécis et on fera encore plus d'erreurs que ce qu'on pouvait déjà en faire avant. Quatrième symptôme les symptômes comportemental et relationnels isolement social repli sur soi on peut devenir agressif voire violent on va avoir une intolérance à la frustration, moins d'empathie. Et on peut même avoir, ça peut même conduire jusqu'à des comportements addictifs, drogue, alcool, nourriture par exemple. Et le dernier, les symptômes motivationnels. Donc là, c'est perte de confiance en soi, désengagement progressif, baisse de la motivation et baisse des valeurs associées au travail. Et du coup, le sentiment d'être pris au piège. Bon. Je suis désolé, hein, ce n'est pas une conférence très joyeuse, mais ça me semble très important d'en parler. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va surtout parler du burn-out étudiant, qui au final ressemble beaucoup au burn-out professionnel, c'est-à-dire qu'on peut vraiment le transposer, mais il y a quand même quelques petites différences. Déjà, ce qu'on peut noter sur les mêmes points, sur les points qui se concordent, c'est les mêmes problématiques, productivité, performance, surcharge émotionnelle, encore une fois, les mêmes symptômes physiques ou psychologiques. Mais ce qu'on voit en plus, c'est par exemple bah, le fait de jongler avec une recherche de stage, d'alternance, de financement des dossiers d'admission à gérer, le concours, l'examen, les factures à payer, parce qu'il y en a aussi. Et tout ça, c'est une somme, un cumul de choses qui ajoutent encore de la charge aux étudiants et étudiantes. Mais aujourd'hui, moi, je ne vais pas vous parler de choses scientifiques ou quoi que ce soit. Je vais vous parler de moi, ce que j'ai vu. Et je vais aussi parler surtout des facteurs qui peuvent mener au burn-out. Mais déjà, qu'est-ce qu'un facteur bah, c'est un déclencheur, en fait, c'est le levier qui peut mener aux symptômes que j'ai cités plus tôt. Mais attention, ce n'est pas parce que on a, tous les, on a tous les facteurs que je vais citer que forcément on est en burn out. Certaines personnes peuvent juste avoir un facteur poussé tellement à l'extrême que ça peut mener à un burn out. Il n'y a pas de loi, encore une fois. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Virginie. C'est l'histoire d'une reconversion. Et je vais d'abord faire un petit disclaimer pour en rajouter un petit peu à ce que je viens de dire. C'est que tout ce que je vais dire aujourd'hui, encore une fois, ça n'a rien de documenté ou d'officiel. Ce n'est que le fruit de mon expérience personnelle en tant que mentor. Donc voilà. Maintenant, on va parler un petit peu de cette histoire, comment ça va se dérouler. Je vais la diviser en cinq chapitres. Et en fait, entre chaque chapitre, on va faire une petite pause. Et on va essayer d'identifier les facteurs qui peuvent justement mener au burn-out. On commence. Chapitre 1, introduction. Eh bien, c'est cool. Virginie vient de voir son financement accepté. Félicitations. Elle va pouvoir commencer sa formation courte de six mois qui lui permettra d'avoir un diplôme équivalent à un bac plus 2. Une formation qui va être orientée en développement front, avant tout, avec une petite partie back-end. Donc, il y aura d'abord du HTML, CSS, et puis on va passer un petit peu avec du JavaScript Vanilla, un petit peu de Node.js avec Express, et on va finir sur un gros projet avec React.js. Donc, tout un gros parcours assez dense sur six mois. Donc, vous vous doutez bien que faire rentrer tout ça en six mois, alors qu'on est censé le faire en deux ans, ça va demander quand même beaucoup de travail. Ok, quel est mon rôle Moi, je suis mentor, je vais voir Virginie une fois par semaine pendant une heure. Euh, mon rôle, ce n'est pas de la former, mon rôle, ça va être de l'accompagner au mieux. Euh, je vais parfois prendre la, rôle de, le, le, la casquette de formateur quand j'ai besoin de passer à la partie un petit peu plus technique, mais disons que je vais aussi avoir un rôle de coach de vie durant ces six mois. Maintenant, qu'est-ce que j'apprends lors de la première session bah, Virginie, elle a 51 ans, elle a un mari et deux enfants. Elle est donc en reconversion puisqu'elle a déjà un background, déjà euh, une carrière professionnelle juste avant qui n'a rien à voir avec l'informatique. Comment elle a découvert euh, le métier de dev et surtout cette formation au travers d'une présentation par Pôle Emploi, Pôle Emploi qui fait souvent justement euh, des appels d'offres et qui y ré répondent justement en faisant des grandes cohortes euh, de, 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 de futurs étudiants et étudiantes. Mais elle m'avoue aussi qu'elle n'a jamais été passionnée par ce métier, qu'elle ne connaissait même pas, ou en tout cas très peu. Et elle n'est même, même pas du tout passionnée par l'informatique en général. Mais rassurez-vous, elle a quand même des notions, elle sait quand même se servir d'un ordinateur, de faire des recherches sur Internet, elle sait se débrouiller. Donc jusque-là, elle ne part pas de rien. Moi, ce que j'apprends, j'apprends un petit peu à la connaître durant la première session, la première heure que j'ai avec elle. elle C'est quelqu'un de motivé, déterminé. C'est une personne qui est enjouée et expansive. Expansive, ça va être très important parce que le fait d'être expansif, c'est le fait d'expliquer ce qu'on ressent, de dire ce qu'on ressent, d'en parler librement avec la personne avec qui on a, avec qui on parle justement. Donc, bon, moi j'apprends voilà quelque chose, pas mal de choses intéressantes. Je vois que c'est quelqu'un qui, qui est bavarde. Elle aime bien parler, elle aime bien m'expliquer vraiment tout ce qui se passe. Et vous comprendrez que c'est assez important pour la suite. Donc, on fait une petite pause. Et on va déjà analyser un tout petit peu les facteurs, dans ce que je viens de raconter, qui peuvent mener au burn-out. La première chose, c'est la situation sociale. Que vous le voulez ou non, il y a de la discrimination sur le genre et sur son âge, et notamment aussi sur sa situation familiale. Ça, c'est un fait, on peut pas le nier. C'est aujourd'hui, au vu des pourcentages qu'on a de femmes dans la tech, on peut aussi se poser ces questions, et je pense que ça a tout à fait sa place ici. Certes... Virginie ne va peut-être pas se le prendre en pleine tête directement, mais il y, y a de fortes chances qu'elle le, qu le prenne en tout cas à un moment donné. Donc ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est le fait que ce soit une reconversion. Une reconversion, quand elle est une femme de 51 ans, avec une famille et des enfants, bah clairement, elle va forcément se prendre des remarques. Bizarrement, quand on parle de reconversion pour un homme, on va le voir un petit peu en héros. « Ah, c'est bien, purée, t'as du courage de, de changer comme ça, c'est super, vas-y à fond. » Pour une femme, elle aura certainement plus ou moins la même remarque, mais il y aura forcément un peu de jugement pour dire « Ah bah dis donc, tu prends quand même beaucoup de risques, hein, t'as pas peur pour ta famille ?» Les clichés un petit peu sur les femmes qui sont censées rester et s'occuper de leur foyer, vous voyez un petit peu le genre. Et ça va être vu justement comme un choix très égoïste. C'est comme ça. Le troisième, ça c'est celui que j'aime beaucoup, la passion du dev, hein, bah forcément, hein, quand. Euh, depuis, je sais pas, depuis que je connais l'informatique, en tout cas, les gens qui viennent dans le développement, du moins à mon époque, euh, c'était des barbus avec des hoodies dans leur caverne en train de coder. Il y a ce cliché-là qui existe, qui existe encore peut-être un petit peu aujourd'hui, mais en tout cas, dans la tête de Virginie, dans la tête de beaucoup, ça l'est encore. C'est une réalité. Donc, forcément, elle qui vient de loin, qui a. 51 ans, quand je le répète, mais du coup ça, ça la met dans un, dans une, dans un début de bah justement du syndrome de l'imposteur. Le fait de se dire, ok, bah, j'étais pas ma place là. Il y a peut-être des gens, voilà, qui, qui sont plus fans d'informatique que moi, qui en font depuis des années. Euh, ils ont, ils ont peut-être plus, ils ou eux, ils ont peut-être plus de légitimité que moi à faire ce métier ou en tout cas à me former. Alors non, hein, bien sûr, il n'y a pas, pas c'est pas une question de légitimité du tout. Vous faites ce que vous voulez. Ok, bon. ça commence plutôt bien. On passe au, ch au chapitre numéro 2, donc les premiers pas dans la formation de Virginie. Comme je le disais, Virginie n'a aucune connaissance en développement. Mais Virginie, elle me dit, t'inquiète Thomas, moi je bosse comme une dingue, je fais du 14h, heures, 4h heures du matin. Alors là, je lui dis, bah, euh... ouais, c'est quand même un peu chelou, elle me dit, bah oui, mais moi le matin, je vais à l'hôpital parce que j'ai des problèmes de santé, donc je vais faire des analyses. Bon, bah, je, je suis personne pour juger, mais euh, ça fait quand même beaucoup d'heures. Oui, mais moi tu sais, je travaille beaucoup, j'ai l'habitude de beaucoup bosser, qu'elle me dit OK, bah encore une fois, je suis personne. Mais par contre, je vais quand même l'alerter dès le début pour lui dire Attention Virginie, ça vaut être une formation de six mois, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Le but c'est de la finir, cette formation, et de la finir en bonne santé. Donc te crame pas les ailes tout de suite, ça serait dommage. Donc fais attention. Mais bon, moi je suis personne pour lui dire quoi faire. Euh, c'est pas moi, pas moi qui vais lui dire justement, tu travailles comme si, tu travailles comme ça. Elle est responsable, mais c'est mon, mon rôle de la sensibiliser en tout cas et de lui faire prendre part de, de, mes, de mes craintes en tout cas pour, le, pour la suite. Bon, du coup, bah, l'attaque HTML CSS, c'est parti. Euh, encore une fois, elle démarre de rien. Elle ne sait pas ce que c'est HTML CSS. Elle ne comprend rien à ce moment-là. Donc forcément, elle découvre. Ça fait évidemment beaucoup de choses à apprendre dès le début. Bon, est-ce que ça fonctionne bah, Un petit peu, parce qu'au final, Virginie, bah, on va dire qu'elle a de la bouteille, elle est méthodique, et puis combinée avec sa force, avec sa charge de travail, bah, elle arrive quand même à valider ses premiers projets, sans facilité, mais sans difficulté non plus, c'est-à-dire qu'elle est plus ou moins à une semaine de retard, disons qu'elle est dans la norme. Donc jusque-là, pas trop de problèmes, en tout cas pas de quoi s'alerter. Ok. Puis elle découvre aussi les réseaux sociaux. Ah, le plaisir, toujours ce plaisir des réseaux sociaux. Elle découvre notamment le Discord, où elle participe à un serveur Discord avec plein d'autres étudiants et étudiantes. Elle découvre aussi Twitter, les jouets de Twitter et de LinkedIn. Donc elle va être confrontée évidemment au storytelling de LinkedIn, hein, qu'on connaît tous, à la violence de Twitter et au fameux retour d'expérience des autres étudiants. On va revenir un petit peu sur ce sujet de, de, de retour d'expérience. En gros, ces retours d'expérience, c'est souvent des étudiants et étudiantes qui vont dire Ah, je viens de finir ma formation, je l'ai fini deux mois en avance, je suis trop content, là, je suis en train de chercher un job et j'ai peut-être déjà une première touche, ça va être super. Et puis, c'est souvent ce même genre de discours qui revient. Bizarrement, on entend très peu les gens qui sont en échec, parce que malheureusement, ils se sentent peut-être pas, euh, ils se sentent peut-être un peu honteux, je ne sais pas comment ils peuvent le prendre, mais forcément, c'est pas évident de parler de ces échecs, surtout sur un Discord où les gens ne se connaissent pas. Euh, et évidemment, le ventre mou, c'est-à-dire les gens qui réussissent, on va dire, normalement la formation, dans les temps, et on va dire de manière euh, bah, assez logique, on va dire les 80%, ils n'en parlent pas non plus. Parce que, bah, euh, en soi, comparé aux gens qui sont là à se mettre des paillettes sur leur tête, alors je suis très content pour eux qu'ils aient fini en avance, mais du coup, ça crée une sorte de minorité, de bulles assez bruyante qui font que les autres n'en parlent pas. Donc forcément, Virginie va se comparer aux autres. Et ça, ça va être pendant toute la formation. Elle ne fera que ça, se comparer, se comparer, se comparer. Ce qui est normal, vu qu'on avait déjà un petit peu parlé juste avant, le fait qu'elle ne se sente pas légitime, donc elle va faire, mettre toujours ça en liaison avec cette comparaison, et forcément, ça ne pas très agréable pour elle. Donc forcément, elle doute énormément de ses compétences. Donc moi, évidemment, mon rôle, c'est de la rassurer, c'est normal. Bref. Vous comprendrez que dans cette conférence, je ne vais pas beaucoup parler de mon rôle, parce que ce n'est pas du tout l'idée ici. Je ne suis pas là pour parler de moi, je suis plus là pour parler de Virginie et des burn out mais du coup, on va pouvoir faire une petite pause et analyser un petit peu ce qu'on peut voir, ce qu'on a pu voir ici, ce qu'on a pu entendre ensemble. La première chose, c'est les success stories. Je vais d'en parler un tout petit peu. Encore une fois, confronté à une minorité bruyante, ben en fait, ça donne l'impression que c'est la normalité. Ça beau être que 5 personnes sur 100 personnes, vu que c'est les seuls à parler de leur réussite, ou en tout cas à parler de leur parcours, forcément, on a l'impression que c'est la normalité. Donc, quand nous, on est là et qu'on galère, et qu'on lit ça, on se dit mais, mais je suis con ou quoi Et donc, forcément, c'est très difficile pour, pour essayer de rétablir la balance. Et donc, euh, on va pouvoir maintenant passer, encore une fois, à la passion du dev. Je répète, avec cette fois maintenant avec les super tweets sur X, hein, les côtés bien péremptoires. Ah bah dis donc, euh, bah, t'as pas bossé ce week-end sur ton sur ton site project bah Qu'est-ce que tu fais Je comprends pas. On devrait être passionné pour faire ce travail-là quand même. Bah non. Pardon, hein, moi je touche pas une ligne de code. Euh, je fais trois euh, heures de ligne de code par jour euh, quand je bosse, et ça me va très bien. Et j'en fais pas plus parce que ça me saoule. C'est pas un, pas une passion ce métier-là, mais voilà. Et puis est-ce que c'est grave Non. Maintenant, ça, il faut l'expliquer, à Virginie. Ça, c'est autre chose. Allez, le dernier, c'est mon préféré aussi, je l'aime bien celui-là, c'est le gatekeeping, c'est le fait de fermer les portes aux gens qui en savent un petit peu moins. Et sur LinkedIn, bah, là, c'est le florilège, hein. c'est le storytelling bien foireux de, des, des, des gens qui cherchent le rich, les influenceurs, comme je les appelle. Et bah, en fait, ils vont vous faire passer pour des moins que rien. Parce que leur but, en fait, c'est de s'encenser. Pour se créer une communauté ou en tout cas des gens qui vont les suivre. Et donc pour ça, bah, rien de mieux que de s'asseoir sur les autres. Comment dans le style Ah bah dis donc, tu n'as pas lu trois bouquins de 1000 pages, c'est que tu es un mauvais développeur. Ah bah dis donc, tu fais pas de TDD oh, Tu es forcément une mauvaise développeuse. Yes Merci Jean. TDD. Bon bref, c'est pas très agréable à lire, mais effectivement, encore une fois, vu que c'est eux qui font beaucoup de riches bah c'est eux qu'on va voir en premier sur le fil de l'actualité. Et forcément, encore une fois, comparaison, comparaison, comparaison. Là, on a un cocktail de la mort. Forcément, pour Virginie, c'est compliqué. Allez, on enchaîne, chapitre 3. Première tension. OK, jusque-là, Virginie, elle avançait plutôt bien. Ça se passait plutôt pas mal. Mais en fait, bah, ça continue. Parce qu'en fait, elle est motivée, elle a une détermination de dingue. Moi, je suis... En fait.. Je pense que j'avais des a priori parce que forcément quand il y a quelqu'un qui n'a pas de bagage technique, euh, qui a son âge et du coup c'est moi qui suis dans un cliché à ce moment-là, clairement donc c'est un peu bête de ma part et je me dis bah euh, ça, ça va être difficile pour elle. Mais en fait non, c'est pas si difficile que ça parce que elle en veut et en fait elle arrive à bien s'organiser comme je disais donc forcément ça fonctionne et en tout cas ça la pousse dans le bon sens. Et donc là elle arrive sur le premier projet JavaScript. Première épreuve de taille. Pour vous donner une petite idée, généralement les étudiants et étudiantes qui arrivent sur ce projet se cassent tous les dents. Voilà, ils se cassent toutes et toutes les dents. C'est euh, généralement, euh, bah, c'est du JavaScript, donc forcément c'est compliqué. Je rigole évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a énormément d'informations, il y a beaucoup de cours, de vidéos à regarder, il y a beaucoup de choses à aller chercher, et forcément derrière faire un projet où on doit mettre en place tout ça, c'est pas si évident. Donc qu'est-ce qu'a fait Virginie? Elle intensifie sa charge de travail. Bah oui, parce que jusque-là, ça paye. Donc, elle continue à bosser encore plus. C'est-à-dire que là, elle passe un petit peu moins de temps avec sa famille. Bah oui, faut je veux dire, avant, je prenais deux, elle prenais deux heures le, le soir pour dîner et passer un petit peu de temps avec ses enfants. Bah là, bah non. Pas besoin. Euh, on va raccourcir un petit peu tout ça. Et puis, on va passer plus de temps pour euh, focus JavaScript. OK. Forcément, elle est très efficace. Ça fonctionne ça fonctionne bien, ok, bon, bah moi je suis content, je suis content parce que je me dis, ok, euh, j'ai moins de taf à faire, ça c'est cool, par contre, hein, moins de taf côté technique on va dire, un petit peu plus de taf, parce qu'effectivement, elle augmente sa charge, forcément il y a les premières fatigues qui se font ressentir, et là elle me le dit texto, comme je vous ai dit, elle est expansive, elle me dit Thomas, oh, Thomas je suis, je suis un peu fatigué quand même. Mais alors vous comprendrez que Virginie, en fait, elle a beau me dire je suis fatiguée, j'ai beau lui dire fais attention à toi, fais attention, essaie de ralentir un tout petit peu, elle me dit mais Thomas je peux pas, j'ai pas le choix, il faut que j'avance. Et puis moi tu sais c'est une ligne droite, hein, c'est j'y vais. Difficile, difficile d'essayer de, 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 de la sensibiliser, mais c'est très difficile de se faire entendre un tout petit peu. Mais en même temps je, je la comprends parce que il y a beaucoup de choses qui font que il faut qu'elle y arrive. Il faut savoir que sur la plateforme où elle travaille, il y a une barre d'avancement. Une barre d'avancement où, en gros, c'est là où elle se trouve et là où elle devrait se trouver. Et donc, forcément, ça, elle le voit tous les jours. Et sans déconner, pendant six mois, à chaque fois, elle me disait « Thomas, pourquoi ma barre n'avance pas aussi vite que je voudrais Je ne comprends pas, je suis en retard. » Non, tu n'es pas en retard, tu es dans les temps, il n'y a pas de problème, mais... Eh ben, j'ai, en fait, j'ai en face de moi quelqu'un de têtu qui ne veut pas essayer de lâcher le truc, mais en même temps, encore une fois, on va comprendre pourquoi. OK. Donc, comme je disais, pas le choix de toute façon. Eh ben, il faut continuer les efforts. Parce que jusqu'à présent, encore une fois, elle fait des, elle, elle, elle travaille comme une dingue, grosse charge de travail, ça paye. Quand ça paye, est-ce qu'on va envie de se dire, ah ben, je vais changer les choses, au risque de se dire, ah, peut-être que ça marchera moins bien. Je pense qu'elle est dans cette réflexion-là. Donc forcément, elle, pour elle, c'est, il faut continuer comme ça, encore quelques mois, et puis on va arriver au bout. Ok. Pause. On va réfléchir un petit peu aux facteurs qu'on peut identifier ici. La première chose, c'est la surcharge cognitive, qui peut me dire ici si c'est facile d'apprendre JavaScript quand on ne connaît rien au développement, en algorithmie ou quoi que ce soit, quand on doit apprendre la syntaxe. Quand on doit prendre la manipulation du DOM, le fait de faire des appels, euh, des appels AJAX, comme on peut dire ça à l'époque, en tout cas des appels HTTP, et jongler avec donc les cours, les projets, les soutenances pour valider ces projets, tout ça, ça fait quand même beaucoup de choses. Ça laisse pas ou peu de répit entre les différents projets. Autant dire que c'est, enfin, en fait, faut vraiment se rendre compte que sur les 10 heures qu'elle travaille sur une journée. C'est 10 heures effectives où elle ne fait que ça. D'accord Moi, quand je bosse, je pense que vous, c'est pareil. Qui, ici, sur une journée de 8 heures, fait 8 heures de code Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent lever la main Merci. Donc, forcément, euh, clairement, moi, c'est pour ça, je, je, je suis impressionné, mais en même temps, j'ai peur. Je commence à avoir peur. Forcément. Allez, deuxième facteur. La difficulté à lâcher prise. Je pense que vous avez compris, elle est quand même assez têtue, elle est dans son truc. Encore une fois, faut la comprendre, c'est normal avec toute la pression qu'il y a. Mais comme je le disais, vu que tout roule, vu que tous les voyants sont au vert, <laughs> comment vous voulez vous raisonner, ce n'est pas possible. Moi si on me dit bah tiens Thomas, ça marche comment ça fonctionne là pour ta formation, pourquoi j'irai changer Pourquoi j'irai changer même si mon corps me fait comprendre que ah, es un petit peu plus fatigué que d'habitude. Tant pis, ça fonctionne. J'ai pas le recul nécessaire, et Virginie non plus, du coup, pour dire, ok, je vais peut-être relâcher un petit peu la pédale et essayer de, de ralentir un tout petit peu, pour essayer de m'écouter un petit peu plus et prendre un petit peu plus de temps. Ok. Bah non. Forcément, c'est difficile. Troisième facteur, bah la deadline, ça tout le monde la connaît, je pense que là il n'y a pas de problème. Bah, c'est le fait, en fait, dans son cas, c'est que quotidiennement, comme je vous ai dit, elle m'a dit Ah, tiens, Thomas, euh, regarde, je suis encore en retard par rapport à ma barre d'avancement, mais imaginez juste un instant, dans votre boulot, vous qui, connaissiez aussi, euh, qui connaissez aussi la notion de deadline, si tous les jours, on vous martèle, toute la journée, hé, hey, dans trois semaines, c'est la fin, hein, dans deux semaines, allez, 14 jours, très... imaginez juste ça, un instant. Parce que c'est ce qui se passe dans sa tête. Hein. C'est tous les jours elle regarde la barre d'avancement, et en fait ce qu'il faut savoir, c'est que c'est moi qui fais avancer la barre d'avancement par rapport à ce que j'estime euh, justement sur son avancement. C'est moi qui la gère un tout petit peu. Donc en fait, j'ai beau lui répéter ça en plus, elle regarde tous les jours pour me dire Thomas, Thomas, ça avance pas Oui, tranquille, ça avance. Mais je ne vais pas la faire avancer plus loin, si au final tu te retrouves avec du retard. Bref, c est, c est, c est... elle est dans un mode où en fait. J'ai beau, moi, essayer de lui parler, bah, en fait, c'est difficile de l'atteindre. C'est très difficile parce qu'en en fait, on se rend compte qu'il y a quand même, avec cette surcharge cognitive, il y a des choses qu'on n'enregistre plus et qu'on ne veut plus enregistrer. Parce qu'il faut les mettre de côté. On a JavaScript en phase, là. C'est une ligne droite, il faut y arriver, il n'y a pas le choix. Donc tout le reste, en fait, on le met de côté. OK, on va reprendre un petit peu notre histoire. Chapitre 4, Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Je ne sais pas si vous avez la référence, ça vient du film La haine. Donc, jusque-là, encore, tout va bien. Oui, Virginie a pris de l'avance. Il lui reste six semaines pour terminer le projet, le dernier projet qui est en React.js. Six semaines. Finger in zone, j'ai envie de dire un mois et demi sur les six mois pour finir un projet. Ah, jusque-là, il ne devrait pas y avoir de problème. J'ai envie de dire. Ouais, sauf qu'en fait, Virginie, là, elle a subi toute la pression. Vous savez, c'est l'enclume qui vous tombe d'un coup sur la tête. Bah, là, en fait, c'est le cas. Toute la pression. Toute la fatigue qu'elle a accumulée pendant les quatre mois et demi qui ont suivi ce moment-là, elle se le prend en pleine tête. Et c'est violent. C'est très violent. À côté de ça, elle voit le temps défiler, parce qu'elle galère du coup à s'y mettre, c'est difficile. Encore une fois, surcharge cognitive, vu qu'on a plein de choses, plein de choses en tête, qu'on essaye d'apprendre, mais qu'il n'y a plus rien qui rentre, le temps y défile, et forcément, on se retrouve avec une date de fin qui commence vraiment et réellement à l'angoisser. Ça devient vraiment un problème prédominant dans sa tête et dans nos sessions aussi d'ailleurs. OK. Donc comme je disais, elle a beaucoup de mal à se former sur React.js, encore plus pour se lancer sur le projet. Pour vous donner une petite idée, sur les six semaines qui restaient, elle a commencé à se mettre dessus au bout de trois semaines. Et donc, c'était vraiment difficile. Alors qu'avant, elle arrivait quand même à enchaîner les cours et à bien gérer. Donc là, c'est vraiment la fatigue qui joue avant tout. Et elle me dit un truc. Elle me dit Thomas, alors déjà je passe beaucoup moins de temps avec ma famille, c'est-à-dire que en gros elle mange sur le pouce le soir et elle file direct devant le PC, même si c'est en pleine souffrance qu'elle le fait, mais elle n'a pas le choix, encore une fois. Et elle me dit en gros que elle ne parle plus de sa formation avec sa famille. Pourtant ça reste sur les six mois. Généralement c'est un sujet dans une famille qui est central. Et bien là elle en parle plus du tout. Pourquoi Parce que surcharge cognitive. Est-ce qu'elle a le temps de gérer les inquiétudes de sa famille Est-ce qu'elle a envie de vouloir gérer ça Non. Elle ne peut pas gérer ça. Elle gère déjà son stress, ses angoisses, sa fatigue. Elle n'a pas envie de gérer ceux de sa famille. Et c'est normal. Du coup, moi, qu'est-ce qu que je vois comme personne devant moi pendant les sessions ben, Quelqu'un de moins enjoué que d'habitude, quelqu'un qui montre des signes de fatigue physique et cognitive. Jusque-là, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Maintenant, on va pouvoir faire encore une petite pause. Ah bah ben non, j'ai oublié de dire un truc. Oui, effectivement, les nerfs craquent. Oui, alors ça, c'est le truc le plus important. C'est que euh, les nerfs craquent, donc évidemment, je ne vais pas aller dans la sensiblerie, mais forcément, euh, c'est là où il y a tout qui déborde. Voilà, le, va, le, le vase a débordé, il n'y a rien qui va, c'est le craquage complet. Donc bon... Euh, encore, là, je vais juste parler un petit peu de moi. Forcément, dans ces moments-là, c'est assez difficile. Euh, donc, il faut que j'essaye de ramer un tout petit peu pour essayer de qu'elle reprenne un petit peu plus confiance. Mais c'est pas évident, et en même temps, c'est-à-dire que, en fait, le, la problématique que j'ai, c'est comment lui dire de ralentir. Mais si elle ralentit, elle pourra pas terminer à temps. Donc, comment jongler sur les deux, c'est hyper difficile. Donc, je mâche sur des œufs et j'essaye de faire ce que je peux pour l'aider. Mais avant tout sa santé, et ça c'est le principal. Ok, donc comme je disais déjà, on fait une petite pause, on va analyser un petit peu tout ce qu'il y a. Donc là il y a pas mal de choses. Déjà la première chose, perte d'estime de soi, forcément. Déjà qu'elle avait pas énormément confiance en elle, puisque comme je l'ai dit, problème du syndrome de l'imposteur qui vient, elle se sent pas légitime, elle se compare beaucoup aux autres. Bah là, euh, autant lui mettre une grande tarte dans, la, dans les dents, c'est pareil. C'est là elle se prend, elle se prend un mur où en fait, pendant quatre mois et demi, on lui a dit « Oh, t'es en avance, c'est bien. Ah oh, vu comment je bosse, j'y arrive, je valide mes projets, c'est super. » Et là, il reste un mois et demi et ça avance pas. C'est difficile. C'est difficile. La confiance, l'estime de soi, c'est compliqué à gérer. C'est très compliqué. Donc, ça renforce tous les autres problèmes qu'on avait déjà au début. Le fait de se comparer, le fait de ne pas se sentir légitime, d'avoir peur de ne pas finir. OK. Deuxième point, la solitude. Vous pourrez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez être entouré de tout ce que vous voulez, vous êtes tout seul ou toute seule devant votre écran quand vous vous formez. Là, je parle de formation à distance, évidemment. Vous êtes toute seule ou tout seul. Parce qu'en fait, vous avez beau avoir des gens qui vous aiment, qui sont là pour vous, mais c'est vous qui êtes devant le PC à bosser, à apprendre, à essayer de faire vos projets. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas les autres. Mais là, on parle juste de diplôme. Imaginez que Virginie a 51 ans, elle est en reconversion, elle est là pour changer son avenir, pour essayer de trouver un nouveau boulot. Rendez-vous compte un tout petit peu du délire qui se passe. C'est-à-dire que, ouais, eh ben là, il y a, faut imaginer qu'il y a vraiment, c'est une maison qui, qui est sur ses épaules, qu'elle doit porter. Elle est toute seule à le porter parce que, oui, elle n'a pas envie, comme je le disais, d'avoir à gérer les autres. Niette Non, non, non. Elle veut pas. C'est déjà tellement dur à porter cette maison. Pourquoi j'ai reporté les inquiétudes de mes proches Ok. Le troisième, c'est l'échec n'est pas une option. Ça, je l'ai répété plusieurs fois. Mais comme je disais, elle joue littéralement son avenir ici. Il faut bien comprendre que le financement, une fois la date de financement passée, si elle n'a pas son diplôme ou si elle ne valide pas, c'est mort. C'est mort. Elle, elle, elle va se dire, ok, oh bah, enfin je veux dire, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se dirait, dans sa situation, à se dire oh, Oh ben là, je viens de foutre en l'air six mois. Pas oh. ben, grave. Bah ben, si, c'est grave. Quand on met tous ses espoirs dans une reconversion comme ça et que ça ne marche pas parce qu'on parle de quelques semaines, c'est problématique, forcément. Donc ça ne laisse pas de place au doute, évidemment, ça c'est sûr. OK. Allez, on fait le dernier chapitre, le dénouement. Ben, J'ai une bonne surprise pour vous, un petit happy end. Elle a réussi à valider son dernier projet. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes tellement fatigué, vous rentrez dans un pilotage automatique. Et puis, en fait, sur les trois dernières semaines, elle m'a défoncé le projet. Alors, dans un état de fatigue extrême où à chaque fois que je la voyais, ça n'allait pas du tout. Mais elle a réussi à finir et à valider son dernier projet. Félicitations Virginie. Effectivement, on peut, on peut l'applaudir. Le soulagement, d'abord forcément, toute la pression qui tombe. On peut que essayer d'imaginer ce qu'elle ressent à ce moment-là. Ça doit faire un bien fou. Ça fait un bien fou. Et elle me dit, Thomas, je vais t'écouter. Merci de m'écouter, Virginie. Je vais prendre deux mois de pause pour me remettre physiquement. Oui, c'est bien. C'est une bonne décision. C'est bien. faut que tu te remettes émotionnellement et physiquement de ce que tu viens de subir pendant six mois. Ça n'a pas été simple. Tu as été jusqu'au bout. C'est super. OK. Mais bon, évidemment, il y a quelques petites inquiétudes pour le fait de trouver un boulot. On ne va pas se mentir. Elle le sait que ça va être difficile. C'est déjà difficile de retrouver un travail à 51 ans dans n'importe quel domaine. Alors ici, dans le développement, où il y a beaucoup de jeunisme, forcément, ça va être compliqué. Elle le sait. Elle a beaucoup de craintes. Mon rôle, c'est évidemment de lui donner le plus d'informations et de tips possibles pour l'aider. OK. Et généralement, là, ça se termine. On se dit au revoir. On se voilà, on se dit des, des belles choses à chaque fois dans une dernière session et à chaque fois je lui dis bah écoute je vais reprendre contact avec toi dans quelques mois dans quatre ou cinq mois pour savoir un petit peu où tu en es OK donc cinq mois après je lui envoie un petit email Elle me dit bah thomas physiquement ça va mais émotionnellement euh, ça va pas du tout je me suis pas remise du tout de la formation et de cette fin de formation qui a été très dure. Elle me dit qu'elle souhaite pas chercher de travail dans le développement. Elle veut pas, en tout cas pas maintenant. C'est trop tôt encore. C'est trop tôt. Et elle me dit quoi Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Elle me dit Thomas, à chaque fois que je vais sur le PC et que je joue Visual Studio Code, pour moi, c'est le synonyme de souffrance. Dans ces moments-là, c'est ce qu'on appelle un traumatisme. C'est-à-dire que pour elle, elle associe le développement à un trauma. C'est pas rien. C'est compliqué. Elle me dit Thomas, euh, j'ai des factures à payer, je vais retourner bosser là où je bossais avant. Virginie ne deviendra jamais développeuse, malheureusement. Et euh, j'ai essayé de reprendre contact, j'ai pas eu de nouvelles depuis. J'espère qu'elle va bien au moins et que euh, elle, a, elle est heureuse au moins dans sa vie. Mais en tout cas, euh, de ce que j'ai compris euh, dans son email sur la fin, c'est que bah, c'était une belle tranche de vie qui, a, qui était assez courte, qui a duré six mois, qui a été quand même compliquée, mais elle a vu. Elle a appris plein de belles choses et c'était plutôt cool. Mais c'était une parenthèse et ça s'arrêtera là. OK. Allez, je vous mets allez, deux, trois petits facteurs bonus, là, histoire de, de finir. Cela, ils sont assez marrants. Hein. Euh, on vend à chaque fois aux, 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 aux futurs développeurs et développeuses comme quoi hein, ce métier, il est en pénurie. Non, non, il n'est pas en pénurie. Hein. Euh, c est, c est, c est, on vous vend ça comme un Eldorado pour les, pour les jeunes développeurs euh, ou développeuses en devenir. C'est faux. Hein. C'est pas un Eldorado. Hein. C'est. Rien de tout ça, c'est saturé au possible. Tous les ans, il y a à peu près 60 000 à 70 000 développeurs et développeuses qui arrivent sur le marché. Il n'y a pas 60 000 à 70 000 postes qui s'ouvrent pour eux et pour elles. Donc ça, déjà, c'est un problème, moi, qui me pose souci. Donc évidemment, forcément, vous, vous doutez bien que le marché est ultra concurrentiel. Pour sortir la tête de l'eau et trouver sa place, ça va demander beaucoup d'efforts. Encore plus d'efforts que ce qu'on a fait pour se former. C'est normal, vous me direz, dans ce métier-là, mais quand même. Moi, en tout cas, à l'époque, ce n'était pas comme ça. Et puis, évidemment, le super marketing mensonger hein, est bien foireux de, certaines, de certains bootcamps et certaines écoles qui vous vendent et qui vous disent, dans une affiche sur le bus, oh, « Ah ben dis donc, euh, allez, en quatre mois, tu vas devenir dev et tu vas gagner 50 000 euros par an. » Bah non, je suis désolé de t'apprendre que déjà tu vas galérer à trouver un boulot puisque la moyenne c'est à peu près 6 mois pour trouver un job et tu ne vas pas gagner 50 000, mais déjà si tu gagnes 30 000 euros parce qu'on va te considérer que tu as quand même un truc diplômant ou pas parce que c'est peut-être une certification, ça sera déjà pas mal. Alors Virginie, juste pour une chose, hein, elle n'a pas eu à vivre ça pour le coup parce qu'elle était quand même dans une bonne structure euh, qui sont quand même assez transparents. Donc voilà, allez, euh, je vous avouerai que moi quand j'ai fait cette conférence, j'avais un doute, et je me suis dit, il y a forcément quelqu'un qui va me dire, mais Thomas, pourquoi tu nous parles de burn-out étudiants alors qu'ici on a une majorité de salariés et de freelance? Bah, c'est simple. C'est qui vos collègues demain? C'est les étudiants et étudiantes d'aujourd'hui. Imaginez juste que quand ils vont arriver dans votre boîte, posez-vous la question de vous dire, qu'est-ce qu'ils ont vécu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont vécu pour arriver jusqu'ici? Est-ce que, est-ce que ça, comment ça s'est passé pour eux? Posez-vous ces questions-là, et du coup, ma conclusion, c'est évidemment développer votre empathie. Pour rappel, l'empathie, c'est quoi C'est de se mettre à la place de la personne sur laquelle on veut être empathique, mais avec son prisme, pas avec le nôtre. Quand on se met à la place de Virginie, vous ne mettez pas à sa place, parce qu'effectivement, vous allez vous dire :« Oh bah, JavaScript, c'est facile à apprendre. » Pour vous, oui, pas pour elle. Soyez observateur, observatrice. N Oubliez pas que tout ce que je viens de dire, vous pouvez le transposer. Sur le burn-out professionnel. Observez, parlez avec vos collègues, avec des étudiants ou des étudiantes. Parlez. Alors, je ne vous dis pas de parler de ça. Parlez juste de la vie. Voir un petit peu si ça va. Quand vous posez la question Salut, comment tu vas Ne faites pas un ça va, ne faites pas un comment tu vas. Ok, euh, juste de politesse, allez au fond des choses. Évidemment, n'infligez pas d'aide, s'il vous plaît. C'est-à-dire que si vous voyez que quelqu'un va mal, n'allez pas lui dire Ah, non, donc, tu fais un burn-out tu vas voir une psy. Niet, niet, ne faites surtout pas ça. Parlez-en un petit peu. Et puis évidemment, consultez. Hein? Je pense qu'ici, on est beaucoup à faire des check ups chez le médecin traitant. Faites la même chose chez un psychologue ou une psychologue. C'est normal. C'est sain. Je vous remercie. Et puis vous avez le petit truc là pour faire des petits retours si vous avez envie. Merci beaucoup en tout cas. Je tenais juste à remercier du coup Hortense pour pour le suivi et Magali aussi qui n'a pas pu être là aujourd'hui et merci à l'équipe de la FUP pour l'organisation de cette belle journée et de demain aussi. Merci beaucoup Thomas c'était très instructif.